Dès ce matin, à la première heure, les dépôts de bus d'Atlanta et de Langlade étaient bloqués par les grévistes. Si celui d'Atlanta a été levé rapidement par manque de mobilisation, les 30% de grévistes se sont concentrés sur le site de Langlade. Ils demandent la réouverture des négociations salariales au vu de l'augmentation du carburant. L'inflation de l'année est en pays en février. D'ici février, on a envie de manger, on a envie de mettre de l'essence dans notre voiture. Février 2009, c'est un peu tard pour les augmentations de salaire de 2008. Les conducteurs de bus ne peuvent pas venir travailler en bus. Le matin, quand on prend notre service entre 5h moins le quart et 6h30, les lignes de bus ne sont pas ouvertes. Avant le début du conflit, la direction avait proposé une hausse de 1% dès le mois de septembre sur les 1,4% d'inflation prévue. Direction qui dit aujourd'hui attendre les mesures gouvernementales. On pense que le conflit a été lancé de façon prématurément, alors qu'on avait fait déjà un premier pas sur l'aspect salarial, dans le cadre de notre accord de négociation annuelle obligatoire, et que dans un deuxième temps, on devait de toute manière se revoir une fois les mesures gouvernementales connues. Aujourd'hui, toutes les lignes du sud de Toulouse étaient bloquées, même si une quinzaine de bus a pu circuler. À partir du dépôt d'Atlanta, en revanche, 80% du trafic a pu être assuré. N'ayant pas été reçus aujourd'hui par la direction, les syndicats ont décidé de se remobiliser dès demain en bloquant plus largement les deux dépôts.